Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Jean-Michel Deluc est avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Martin. Comme d'habitude, je dirais. Oui, comme d'habitude, mais là, c'est même une bonne habitude parce que. Ça, c'est vrai. On se pose au moins un petit coup. Alors là, je suis heureux de retrouver un vigneron que j'ai toujours aimé tout le long de ma vie. Et là, vraiment, avec une cuvée traditionnelle, extraordinaire. Donc, c'est le domaine du Vissous. Nous sommes dans le Beaujolais. Et je suis un fervent défenseur du Beaujolais. Moi aussi. Quand ils sont bons, comme celui-ci. Celui de Chermette. Pierre-Marie Chermette, domaine du Vissous, cuvée traditionnelle. Alors, grand nom du Beaujolais. Oui, c'est un exemple à suivre. Cuvée traditionnelle, je pensais que tu allais me dire, mais pourquoi traditionnelle? Parce que les Beaujolais ne sont pas traditionnels. Justement, j'allais arriver à cette question. Cuvée traditionnelle parce que c'est une macération de raisin rouge. Donc le gamay, qui est le cépage qui rentre dans la composition de ce vin, est un cépage noir à jus blanc. On l'appelle d'ailleurs gamay noir à jus blanc. Parfait. Et lorsqu'on le laisse macérer traditionnellement, on obtient bien évidemment un vin rouge. Par opposition à certains Beaujolais ou Beaujolais nouveaux, qui sont de macération carbonique. Un jour, je vous expliquerai ce que c'est que la macération. Okay. Macération carbonique. Donc on a extrait le maximum de la qualité de ce gamay. Parfait. Alors c'est un 2013. On avait déjà apprécié le primeur 2013, exactement. Là, et là on a un vin beaucoup plus affirmé, qui a été mis en bouteille plus tard, et qui a quelques mois de sagesse en plus. Ouais, ok. Voilà. Ce qui fait toujours du bien, non? Ah, la sagesse, oui. Ouais. J'essaie de t'éduquer, mais... Oui, mais je vous écoute, Jean-Michel. Ça arrive, ça arrive, je sens que ça arrive. C'est long, hein. Donc, alors, à l'œil. Belle couleur, rubis, encore jeune, sur un dégradé mauve, brillant, limpide. Pas trop prononcé en couleur, hein. C'est vrai que le gamay est un raisin qui a une peau peu épaisse, ouais. Ça apporte pas trop de couleur, on peut laisser macérer des années, ça sert à rien. D'accord. Hein. Donc, c'est déjà une belle extraction, ouais, de belles couleurs pour un gamay. Au nez. Minéralité, fruits, raisin. Donc imagine, tu as le raisin dans ta main, tu écrases comme ça, exactement, et tu sens, ouais. C'est exactement ça. Le fruit, hein, framboise, fruits noirs, même on a un petit peu de cassis, de mûr. On a beaucoup de fraîcheur, un côté mentholé, floral, pivoine, c'est la saison, violette. Ouais. Beaucoup de finesse et d'élégance. Hein, on sent pas le côté exubérant des gamets issus de macération carbonique. On sent que c'est un peu plus terroir, hein, un peu plus profond. D'accord, ok. Ça sent très bon. Ouais. Alors en bouche. En bouche. Ah ouais, moi j'adore ça. Voilà, le raisin pur, on croque du raisin, c'est frais, ça a quand même du terroir, il y a une belle minéralité. Même un côté un petit peu poivré, on est sur un terroir un petit peu granitique, donc des notes légèrement fumées, naturelles. Et le côté peau de raisin, j'adore avoir cette sensation tactile de tanin, de peau de raisin. Ça c'est vrai. Qui donne une perspective et qui allonge le vin en bouche. Et le fruit reste. Voilà, c'est un vin... C'est pas souvent, comme je parlais tout à l'heure de macération carbonique, les vins, on les goûte, c'est explosif devant et puis derrière, il n'y a plus rien. Bien sûr. Donc là, non. Tout est derrière. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est hyper facile à boire comme un Beaujolais. C'est gourmand. Mais ça, ce c'est gourmand, c'est croquant, ça, c'est fruité, ouais. Mais c'est un vrai Beaujolais. Ouais, tout quand on a goûté ça, les gens qui me disent « Oh, j'aime pas les Beaujolais oui, ». On va essayer de leur faire changer d'avis avec cette bonne cuvée traditionnelle. Voilà, cuvée traditionnelle magnifique. Parfait. Comment on sert un Beaujolais? Il faut l'ouvrir avant. L'ouvrir un petit peu avant si tu veux, mais pas le servir glacé. Une mauvaise habitude française de servir des vins rouges à 10-12 degrés qui vont accentuer l'acidité et les tanins. Quoique celui-là, les tanins sont assez fondus, assez fins, ça pourrait passer. Non, 14-15 me semble la température raisonnable. Donc c'est un tout petit peu plus frais. Un peu plus frais, c'est un quart d'heure à une demi-heure dans la porte du frigo. D'accord, ok, voilà. Parfait. Et alors, toutes les cuisines possibles et imaginables. Mais la bonne cuisine de Mâcon, je suppose. Oui, bah, on n'est pas loin de Lyon, donc voilà. Je n'osais pas en parler. Je sais que tu es un fondu du Saint-Marcelin. Ça ira bien? Oui, parce que je sais que tu te lèves la nuit pour manger du Saint-Marcelin. Exactement. Voilà. Et non, tout ce qui est charcuterie, cuisine lyonnaise, tout ce qui est un petit peu à bas, mais une bonne volaille rôtie fermière. Ouais. Et j'ai même essayé un insecte dessus. De sublime, molitor, de Jimmy's. Tout à fait. Mais c'était magnifique. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet. Oui. On vous l'envoyez, ça. Voilà. Donc, voilà, un vin qui est fait pour plaire. L'été, mais pas que l'été. On parle souvent de vins un peu frais l'été, etc. Non, ça tient aussi à une cuisine d'hiver. Alors là, bientôt, la saison de l'agneau commence. Un navarin d'agneau printanier. Ouais, ok. La belle vie. La belle vie. Oh, la belle vie. Eh bien, Jean-Michel, encore une fois, merci.
de nous présenter cette cuvée traditionnelle. Merci à Pierre-Marie Chermette, enfin à la famille Chermette, et au domaine du Vissoux qui nous fait des Beaujolais magnifiques. Une grande splendeur. Merci beaucoup et bonne dégustation à vous tous. Bon gamay à tous.